avec Julia. C'est qui Julia? C'était la pote d'Eva. Ok, ça marche. Je savais pas que tu connaissais ma sœur. On n'était pas particulièrement proches. Juste, on se croisait au lycée. Ça m'a fait bizarre d'apprendre sa disparition. Je suis vraiment désolée. Merci. Salut. Bon, Julia, tu sais déjà ce que tu veux récupérer? Ouais, il y a deux, trois trucs. Des photos. Peut-être un peu ce que tu avais offert. On verra bien. Alors, elle vous plaît, ma sœur? Pourquoi elle t'envoyait ça? J'en sais rien. Oh putain, tu m'as encore balancé. Mais calme-toi, j'ai reçu ça comme ça. J'ai pas compris. J'ai pas répondu tout de suite. Déjà, comment elle a eu ton numéro? J'en sais rien. Est-ce qu'elle t'a dit d'autres trucs? Tu me dis jamais rien. Non, moi elle m'a jamais rien envoyé d'autre. Je comprends pas pourquoi. Elle t'envoie un message à toi, puis pas à moi. Enfin, vous connaissiez même pas, et puis. Ben, c'est moi son copain. Gabriel t'attend. Elle a mis de côté des affaires à Eva et toi. Je suis juste venue poser des fleurs. Je vais bientôt repartir. Vous vous connaissez depuis longtemps avec Mathis? On était dans le même collège et on est restés potes après. C'est par lui que t'as rencontré Eva? Quand ils se sont mis ensemble. Comment Mathis vit la situation? Il est triste depuis qu'elle est partie, comme tout le monde, je pense. Mais c'est vrai que ces derniers mois, c'était un peu compliqué entre eux. C'est-à-dire? Je sais pas. Tu es sa meilleure amie, non? Tu devrais le savoir. Ces derniers temps, elle ne me parlait plus beaucoup. Je me suis dit que tu avais peut-être des infos. Eva voulait pas coucher avec Mathis. T'es sérieuse? Elle voulait attendre. Elle disait qu'elle n'était pas prête. J'ai compris, merci. Mais c'est pas un problème, ça. Ça a énervé Mathis. T'es vraiment une salope de défendre ton pote comme ça. Ça faisait un an et demi qu'il attendait, quand même.
Elle avait peut-être des bonnes raisons d'attendre. Et puis même, on ne se suicide pas pour ça. Pourquoi t'es là? Je te l'ai dit, je suis venue mettre des fleurs. Tu la connaissais même pas. T'as dû lui parler quoi, 2 fois dans ta vie? Je me sentais obligée. Obligée? Tu te sentais obligée? Demande à Gabrielle ce qu'elle faisait les mercredis après-midi. Moi, je veux plus être mêlée à ça. Je sais pas, elle s'est barrée. C'est quoi cette histoire avec Carla? Quelle histoire? Un truc à propos de ce que tu foutais tes mercredis après-midi. Dans un de Carla. Alors, elle vous plaît, ma sœur? C'est quoi cette merde? Il se passe quoi entre vous trois? Dites-moi ce qui se passe. Gabriel, viens. Vous servez vraiment à rien tous les deux. Tu pars où? Je vais chercher Carla, connard! Ça va pas? Je comprends rien. Comment ça, tu comprends rien? Carla et Eva. Ah, qu'est-ce qu'il y a avec Carla et Eva? Elles étaient au courant pour nous deux? Non, bah non, bien sûr que non. Et puis, qu'est-ce qu'elle veut dire, Eva, par « alors elle vous plaît, ma sœur » ? Je sais pas du tout, enfin, je suis pas dans sa tête. C'est pas possible, qu'est-ce que t'as dit? Je te jure que j'ai rien dit à personne, ok? Regarde, toi... ta sœur, c'était 2 choses différentes. De toute façon, j'ai même pas à me justifier. Tu l'as fait autant que moi. Arrête tes conneries, tu l'as forcément dit à d'autres personnes. Sinon, comment Carla et Eva seront au courant? Laisse-moi. Mathis. Pour moi, les mercredis après-midi. Bah quoi, les mercredis après-midi? C'était pas juste comme ça, non. C'était bien plus que ça. Je comprends pas trop, là. Je veux dire... je t'aimais. Mais moi aussi. On a trahi ma sœur. Non, mais... Faut pas voir les choses comme ça. Ta gueule! Pourquoi Eva a envoyé ça à Carla? Bah... Non, si tu veux... En fait, un jour... Quoi? Un jour, j'ai envoyé un nude de toi à Carla. Mais c'était que pour rigoler.
Quoi? C'était qu'une blague. Puis... je suis même sûr que Carla l'a effacé de son téléphone après. T'es vraiment un connard. Dis-lui. Les mercredis après-midi, quand Eva partait faire son babysitting, je sais que vous vous retrouviez tous les deux avec Mathis. Je le sais parce qu'il m'envoyait une vidéo chaque semaine. Tu m'as filmé. T'as vraiment fait ça? Oui. Ça fait combien de temps? Depuis le début. Mathis, je te parle. On sait même pas que c'est toi sur les vidéos, on voit pas ta tête. Tu comprends pas que c'est ça qui l'a tué? C'est pas de ma faute si ta sœur elle s'est foutue en l'air. Depuis le début. Toutes les semaines. C'est pas ma faute. Depuis le début, c'est Carla qui me demande de lui envoyer des vidéos. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui as commencé à... gueule. On s'en fout de savoir qui a commencé. Vous êtes des porcs. Écoute, c'est immonde ce qu'ils t'ont fait. Mais je comprends pas. Comment t'as pu faire ça à ta sœur? Elle me parlait de lui. De la façon dont il l'a traité. C'était le copain parfait. La première fois qu'Eva l'a emmené à la maison, elle était si heureuse. J'ai été jalouse de son bonheur. Le mercredi après-midi, elle partait faire son babysitting. Et Mathis venait l'attendre à la maison. De plus en plus tôt. Un jour, il m'a demandé de coucher avec lui. Et j'ai dit oui. Je pensais que ça s'arrêterait là, mais ça a continué toutes les semaines. Je savais qu'il fallait arrêter. Mais j'avais quelque chose qu'Eva n'avait pas. J'ai honte de lui avoir caché. Je voulais pas qu'elle le sache. Maintenant, elle pourra plus jamais me pardonner. Et je pardonnerai jamais à Mathis. Maintenant, je voudrais que vous partiez. Je suis désolée. Pardon. Casse-toi. Merci pour les affaires.
Ça marche. Je savais pas que tu connaissais ma sœur. On n'était pas particulièrement proches. Juste, on se croisait au lycée. Ça m'a fait bizarre d'apprendre sa disparition. Je suis vraiment désolée. Merci. Salut. Bon, Julia, tu sais déjà ce que tu veux récupérer? Ouais, il y a deux, trois trucs. Des photos, peut-être un pull que j'ai avec été. Enfin, on verra bien là-haut. Mec, ça n'a aucun rapport avec Eva. Elle m'a envoyé un message bizarre le jour où... le mercredi. Enfin, t'as compris quoi? Elle t'a envoyé quoi? Attends. Mercredi 17 avril à 16h27. Alors, elle vous plaît, ma sœur? Pourquoi t'as envoyé ce message? Calme-toi, j'ai reçu ça comme ça. J'ai pas compris, j'ai pas répondu tout de suite. Comment Eva a eu ton numéro déjà? J'en sais rien. Est-ce qu'elle t'a dit autre chose? Parce que tu ne dis jamais rien. Non, elle m'a jamais rien envoyé d'autre. Je comprends pas pourquoi, c'est... elle t'envoie quelque chose à toi et pas à moi. C'est son mec. Gabriel t'attend. Elle a mis de côté vos affaires à Eva et toi. Je suis juste venue déposer des fleurs. Je vais bientôt repartir. Vous vous connaissez d'où avec Mathis? On était dans le même collège. Et on est restés potes après. Et c'est par lui que t'as rencontré Eva? Quand ils se sont mis ensemble. Comment Mathis vit la situation? Il est triste qu'elle soit plus là, comme tout le monde, je pense. Mais c'est vrai que c'est, depuis ces derniers mois, c'était un peu compliqué entre eux. C'est-à-dire? Je sais pas. Puis, t'es sa meilleure amie, non? Tu devrais le savoir. Ces derniers temps, elle ne me parlait plus beaucoup. Je me suis dit que t'avais peut-être des infos. Eva voulait pas coucher avec lui. T'es sérieuse? Elle disait qu'elle voulait attendre, qu'elle n'était pas prête. J'ai compris, merci. Mais c'est pas un problème, ça. Ça a énervé Mathis. T'es vraiment une salope de défendre ton pote comme ça. Et ça faisait un an et demi qu'il attendait quand même. Elle avait peut-être des bonnes raisons d'attendre. Et puis même, on se suicide pas pour ça. Pourquoi t'es là? Je te l'ai dit, je suis venue mettre des fleurs. Tu la connaissais même pas.
T'as dû parler quoi? Deux fois dans ta vie? Je me sentais obligée. Obligée? Tu te sentais obligée? Demande à Gabrielle ce qu'elle faisait les mercredis après-midi. Moi, je veux plus être mêlée à ça. C'est quoi cette histoire avec Carla? Quelle histoire? Un truc à propos de ce que tu foutais tes mercredis après-midi. Attends, Carla. Alors, elle vous plaît, ma sœur? C'est quoi cette merde? Il se passe quoi entre vous trois? Dites-moi ce qui se passe. Gabrielle, viens. Tu peux me faire confiance. On se connaît depuis longtemps. Dis-moi ce qui se passe. Ça te regarde pas. Eva était ma meilleure amie. Donc si, ça me regarde. Il se passait quoi les mercredis après-midi? Je peux pas te le dire. J'y arrive pas. Putain. Vous servez vraiment à rien tous les deux. Je pars où? Je vais chercher Carla, connard. Ça va pas? Je comprends rien. Comment ça, tu comprends rien? Carla et Eva. Qu'est-ce qu'il y a avec Carla et Eva? Elles étaient au courant pour nous deux? Ah. Non. Bien sûr que non. Puis, qu'est-ce qu'elle veut dire, Eva, par « alors elle vous plaît, ma sœur » ? J'en sais rien du tout, enfin, je suis pas dans sa tête. C'est pas possible, qu'est-ce que t'as dit ? Je te jure que j'ai rien dit à personne, ok ? Regarde, toi, ta sœur, c'était deux choses différentes, d'accord ? De toute façon, je vois pas pourquoi je devrais me justifier, parce que, tu la fais autant que moi. Arrête tes conneries, tu l'as forcément dit à d'autres personnes. Sinon, comment Eva et Carla seraient au courant? Écoute. Laisse-moi. Mathis. Les mercredis après-midi. Quoi, les mercredis après-midi? C'était pas juste comme ça. Non. C'était bien plus que ça. Attends. Là, je comprends pas trop, là. Je veux dire... Je t'aimais. Et moi aussi. On a trahi ma sœur. Non. Non, mais non. Faut pas voir les choses comme ça. Pourquoi Eva a envoyé ça à Carla? Non, je sais pas. En fait, si tu veux, un jour... Quoi? Une fois, j'ai envoyé un nude de toi à Carla, mais c'était pour rigoler. C'était qu'une blague, et puis je suis même sûr que Carla l'a effacée de son téléphone. T'es vrai?
vraiment un connard. Dis-lui. Les mercredis après-midi, quand Eva partait faire son babysitting, je sais que vous vous retrouviez tous les deux avec Mathis. Parce qu'il m'envoyait une vidéo chaque semaine. Tu m'as filmé. T'as vraiment fait ça? Oui. Ça fait combien de temps? Depuis le début. Mathis, je te parle. On sait même pas que c'est toi sur les vidéos, on voit pas ta tête. Tu comprends pas que c'est ça qui l'a tué? C'est pas de ma faute, c'est ta sœur, elle s'est foutue en l'air. De toute façon, j'ai rien à voir avec ça parce que c'est Carla qui me demandait de lui envoyer des vidéos. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui as commencé à... On s'en fout de savoir qui a commencé. Vous êtes des porcs. Écoute. C'est immonde ce qu'ils t'ont fait. Mais je comprends pas. Comment t'as pu faire ça à ta sœur? Elle me parlait de la façon dont il la traitait. C'était le copain parfait. La première fois qu'elle l'a emmenée à la maison, j'ai vu Eva tellement heureuse. J'ai été jalouse de son bonheur. Les mercredis après-midi, elle partait faire son babysitting. Et Mathis venait l'attendre à la maison. De plus en plus tôt. Un jour, il m'a demandé de coucher avec lui. Et j'ai dit oui. Je pensais que ça s'arrêterait là, mais... ça a continué toutes les semaines. Je savais qu'il fallait arrêter. Mais j'avais quelque chose qu'Eva n'avait pas. J'ai honte de lui avoir caché. Je voulais pas qu'elle le sache. Elle pourra plus jamais me pardonner maintenant. Et je pardonnerai jamais à Mathis. Maintenant, je voudrais que vous partiez. Désolée. Pardon. Casse-toi. Merci pour les affaires.